Le Tréport est connu pour sa falaise, son funiculaire creusé à la main, sa plage de galets que le dernier ramasseur a fini d'exploiter en 1985, son port de pêche, sa foire aux harengs et Didine, sa poissonnière. Parce que les mots qu'il m'a dit m'ont comme toi rendu heureuse et que j'ai fait du paradis avec le bleu de ta vareuse. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il vous faut de beau aujourd'hui? Oui, ici c'est toute ma vie. J'ai commencé vers 12 ans. J'étais souvent avec mon arrière-grand-mère. On habitait dans le sous-sol, on mangeait ensemble, on dormait ensemble. J'étais bien avec mes parents quand même, mais j'étais plus attachée à mon arrière-grand-mère. Quand je suis allée sur le port, les marins-pêcheurs, quand ils m'ont vue avec elle, ils m'ont dit « Tu t'appelles comment ?» J'ai dit « Je m'appelle Claudine. » Et ils m'ont dit « Bon ben, comme ta grand-mère c'est Joséphine et qu'on l'appelle Fifine, toi ça sera Didine. » Passais dans les rues, tous les matins avec ma charrette à bras, je criais « Du hareng, la crevette vivante !» Donc les gens sortaient avec leurs petits saladiers. Alors quelquefois j'arrêtais à une porte, les gens m'appelaient pour prendre un café. Je continuais ma tournée. Après, j'allais au Bon Accueil le matin, c'était un restaurant. Donc elle me disait, si vous ne chantez pas une chanson à mes clients, je ne vous achète pas. Si vous chantez une chanson, je vous prendrai 10 kilos de carrelés. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Mais quand j'étais gamine, mes parents me faisaient chanter à des concours. Et puis, de concours en concours, je suis allée chanter dans les cinémas l'entraque. C'était Jean Nohain qui nous faisait chanter. Après, je suis allée à Deauville. Et puis après, j'étais convoquée pour aller chanter à l'Olympia, au petit conservatoire de Mireille. Jean Nohain était trouvé mes parents pour demander si je voulais partir à Paris. Pour faire carrière, je n'ai pas voulu. C'était mon cocon ici. Hein. Je préférais la vie saine à la vie de Paris. Hein. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes pleurs. Non, rien de rien, non, Didine ne regrette rien et se fout du passé, car sa vie et ses joies sont ici, jamais très loin de la falaise du Tréport. Je repars à zéro.